Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je prends la direction du Stade du Moustoir pour la rencontre entre Lorient et Montpellier, match qui aura lieu à 17h au Stade du Moustoir. Donc je vous reprends arrivé au Stade du Moustoir. Mes amis, ça y est, je suis arrivé au Stade du Moustoir pour la rencontre entre Lorient et Montpellier qui aura lieu à 17h. Voilà, le village commence à être installé. Moi je vous reprends à 15h à l'arrivée des joueurs du FC Lorient. Mes amis, comme vous avez pu le voir, l'arrivée des joueurs du FC Lorient, actuellement, ils viennent d'arriver au Stade du Moustoir. Les joueurs sont partis directement au vestiaire. Moi, je prends la direction du stade. Donc, je vous reprends arrivé au Stade du Moustoir. Allez les gars, allez. Mes amis, ça y est, je suis arrivé au Stade du Moustoir. Ça y est, je suis dans l'encre, dans le stade. Derrière, vous voyez, derrière moi, les joueurs du FC Lorient en reconnaissance sur la pelouse. Donc je vous reprends à la sortie des joueurs du FC Lorient. Allez les gars, allez. Et chers supporters, c'est supporters du FC Lorient. On va faire du bruit pour la sortie, pour l'échauffement. Tu vas pouvoir les noms de tout.
infatigable capitaine du Loiret. Notre numéro 10, 3 buts et une passe décisive cette saison, Roubaix. Notre numéro 37, 21 aujourd'hui, joyeux anniversaire, Théo. Mes amis, c'est la mi-temps au Stade Toulousain entre Lorient et Montpellier. Lorient perd sur sa pelouse actuellement et mené par Montpellier à but à zéro. Lorient a eu énormément de difficultés lors de cette première mi-temps. Il reste tout à faire en deuxième mi-temps. Allez les gars, on ne lâche pas. Allez. TJ Savani. Mes amis, je quitte le Stade Moustoir, c'est fini au Stade Moustoir. Défaite du FC Lorient, 3 buts à 0 sur sa pelouse. Match vraiment inexisté par Lorient qui a eu énormément de difficultés. On se retrouve dans quelques instants pour le débriefing entre Lorient et Montpellier. Mes amis, de retour pour le débriefing entre Lorient et Montpellier. Rencontre qui s'est terminée. Sur une lourde défaite, Lorient s'est incliné cet après-midi à 17h au Stade Toulousain, 3 buts à 0 face à Montpellier. Bien sûr, on va revenir sur les choses malheureusement qui n'ont pas été du tout faciles pour Lorient, notamment en première mi-temps. Lorient a énormément eu du mal à se lancer dans le jeu. Montpellier qui a très bien mis son dispositif parce que Montpellier tout de suite derrière a bloqué les accès côté Lorientais, donc ce qui a empêché Lorient de bien se dégager. Lorient qui a continué à essayer de pousser, à essayer de sortir de sa moitié de terrain. Lorient qui a trouvé quelques solutions dans la surface de réparation, notamment à Benjamin Lecomte côté Montpellier qui a été vraiment extraordinaire ce soir. Lorient derrière qui n'a pas réussi du tout à s'en sortir et encaisser un but à la 38e minute de jeu, donc 1-0 pour Montpellier à la mi-temps. Et on se dit que Lorient, à la deuxième mi-temps, vont réagir. Malheureusement, deuxième mi-temps, la sortie à la mi-temps de Isaac Touré, rentrée de Kumba. Et derrière, Lorient a tenté de produire du jeu, a montré un deuxième visage côté Lorientais. On va dire un peu plus rythmé, mais Montpellier était très très bien placé, notamment dans la défense. Et puis ce penalty à la 67e minute, discutable, vraiment. Donc, malheureusement, le penalty est transformé, donc 2-0 pour Montpellier. On s'est dit que on a vu à la deuxième mi-temps que Lorient a continué à pousser, mais n'a pas réussi à trouver la faille. Malheureusement, un penalty
Le sifflet côté l'Orienté en deuxième mi-temps, un arbitrage vraiment laxiste côté pour l'Orient. Et 83e minute, l'Orient prend un troisième but. Une erreur défensive, la charnière lorientaise en défense devient vraiment très compliquée. Chose que j'ai à dire, c'est ils ne font rien lâcher, il faut continuer à soutenir le FC Lorient parce que Lorient connaît aujourd'hui un début de saison compliqué. Il ne faut rien lâcher parce que Lorient va se ressaisir, va se relancer. Et puis voilà, il faut vraiment trouver des solutions côté Lorientais, mais j'ai confiance en Régis Lebris. Mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Nous, on va se retrouver dans 15 jours au stade du Moustoir pour la rencontre entre Lorient et Rennes, derby breton au stade du Moustoir. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Giovanni. T'es fier. Allez, regarde.